J'ai pas de plateforme sur Valmore, ça serait l'occasion d'en faire. Je vais en avoir besoin. Allez, à côté, vite! Toute ma flotte va à côté, derrière la base spatiale, ils seront bien protégés. Je sais pas ce qu'ils venaient faire, tous les bleus, là, mais c'est fou! Moi, faut que je retourne sur... Est-ce que t'as du cristal? Ça peut aller, oui. Je veux bien. Du coup, ça... Qu'est-ce que je peux me prendre, moi? Faut que je colonise, là, parce que je peux presque rien me prendre. Moi, ce que je veux, c'est des trucs qui sont pas... que je peux pas me prendre, parce qu'il faut plus de... Entering phase space. Interdicteur de saut, ça, je prends. On va attendre un peu, parce que là, j'ai tout dépensé. Développement d'infrastructure civile en cours. Hein. Fais tes croiseurs émissaires aussi. Qu'on ait plus de relations pour avoir l'entretien de la... Parce que, chers amis, si jamais on arrive à avoir le pacte de ravitaillement... Ouf! À la page, il va gagner des 1000 et des 100. Ah oui. Et moi aussi. Donc fais des... Moi j'en fais quelques-uns là. J'ai c'est bon, je peux faire des plateformes de réparation maintenant. Tu peux faire des croiseurs Neruda. Enfin des croiseurs, toi c'est des navires Herald. Émissaire Herald ils s'appellent les tiens je crois. Émissaire Herald dans l'usine des frégates. Ouais, tu peux m'en faire 3 et moi je t'en... Ah tu peux peut-être même m'en faire 4 sur Fortuna, il y a de la place si tu veux en emmener. Alors j'ai... J'ai envoyé Microsoft pour... elle va faire office d'éclaireur. Hop. Ça y est, mon Ragnarov est rentré à la maison, il est en train de se réparer. Émissaire Herald. Efficace contre rien. Bah normal. Tu peux m'en mettre 3, je t'en amène 3. Il manque les prérequis de la recherche. Debout, bande de rats. Ah, ils viennent sur Valmore. Dommage, c'est là où il y a toute ma flotte. Mon titan redevient commandant de la flotte. Au moins pour ce combat. Allez vite. Au combat. Ça va être l'occasion de gagner de l'XP gratuite. Oh, il y a la base spatiale qui protège en plus. Ça va être le farming. Farming gratuit. Ouais, je confirme mon point. Du coup, ça va aller mieux, moi, sur ma planète, là. Il est grand temps que je sois ami avec les pirates, qu'ils arrêtent de me saouler. Non, mais non, après, ils vont me tirer sur moi à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Moi, je pouvais plus rien faire après pour t'aider. Bah, il faut qu'on trouve un bouc émissaire. Hein. Le violet, en l'occurrence. Parkatova, quoi? Qu'est-ce qui se passe sur Parkatova? Des frégates? Je suis trop loin. C'est pas grave. Non, je m'en fous, il y a mon vaisseau amiral. Ah oui, il y a ton vaisseau amiral. Alors mes Neruda, il y en a 2. Je vais en envoyer un sur Solitude. Et le deuxième, toi, sur Solstheim. Comme ça on va augmenter nos relations et je vais acheter les petits pactes diplomatiques. Voilà. Comment il va les poutrer. Plus de pirates. Aucune perte à déplorer. Si, une frégate cobalt. Une. Ça va. Du coup, le titan, il requitte la flotte. Je te l'envoie quelque part. Attends. Moi, faut que j'aille sur la planète où j'étais, là. Où j'ai dû partir à cause du combat. À Con. Tout à fait. Non, c'était... Non, Ganesa. Ouais, voilà, c'est ça. Non, Ganesa, t'as tué ton titan, déjà. Non, ah non, c'est Organiza en fait que tu étais. Ils sont cons parce que les frégates ça ferait bien qu'elles soient sur le point de mourir, mais tirent quand même. On s'en fout, on tire. On est des petites salopes. Ah, j'aime pas. C'est bon, ils auront plus l'occasion de tirer maintenant. Ils sont chiants, ils font n'importe que pouic. On est obligé d'enlever tous les vaisseaux pour qu'ils sélectionnent le Skyrim comme chef de. Voilà, de la flotte, c'est bon. Ah, un torpilleur au grove. Torpilleur au grove, c'est terrible, ça fait super mal au bâtiment.
Mais par contre, ça fait rien au vaisseau. Donc, bah là, je crois qu'il va décéder. Bah, il peut pas tirer, surtout. Ouh, il y a du monde. J'envoie ma flotte sur Minerva. Et j'envoie le Ragnarok sur Ganesa. Gratuité. Et en plus, j'en profite pour le Bulgur Totalissime. Le plastique. C'est beau, c'est très beau ce qu'on fait. Bon, faut qu'on s'acharne sur le bleu ciel. Pas le bleu foncé parce qu'il va m'en remettre par-dessus. Voilà. Donc mes planètes sont sauvées. Research complete. Extracteur de métal par contre, lui, ouais. Ready to pack a punch. Bon, il va passer niveau 4, mon Ragnarok, tout de suite. Mes vaisseaux, ils vont passer niveau 5. Vous n'avez pas réussi la mission détruire des vaisseaux de la coalition marchande. Va te faire foutre! Oh! Allez, c'est parti pour le combat de l'infini. Un cuirassé gratuit! Eh ben, on va le poutrer! C'est bizarre que Barkatova ne me rapporte rien par seconde. Elle est pas développée? Bah, infrastructure. C'est pas un astéroïde mort? Ah si, peut-être un astéroïde déjà. Ouais, mais s'il est astéroïde, il pourra pas, ça passe. Mais s'il est mort, par contre, il te rapporte rien. Mais écoute, tu as zéro dessus. Pourtant, j'ai... Et t'as mis des extracteurs et tout? Ouais, extracteur de métal, extracteur bah, de... Bah attends, ça va peut-être venir au bout d'un moment. Oh, c'est la musique, c'est Invasion Fleet. Encore? Bah non, là, ça, c'est la première fois aujourd'hui qu'on l'a. Ah ouais, aujourd'hui. Ouais, c'est tellement la gratuité que j'espère qu'ils vont pas fuir tout de suite. Écoutez, chers amis, c'est beau cette musique. Puis ça colle parfaitement à l'ambiance en plus. Tiens. Il est foutu le Marza là. Non, tu pourras pas sauter. On pourra pas sauter, foutu. Ils ont perdu leur vaisseau amiral, ça va pas leur faire plaisir. Poutrez sa frégate moisie, Protev, frégate de colonisation en carton. Ils sont chiants à me piquer mes extracteurs, ce sont les miens et à personne d'autre. Merde, Fortuna elle est attaquée, j'avais même pas fait attention. La plateforme de réparation sur Solstheim est en cours de construction. Donc si jamais tu passes par Solstheim, non. Tu es le bienvenu. Non, il faut que j'aille sur Fortuna. Regarde, Fortuna, elle est attaquée. Par deux vaisseaux amiraux. Faut que je la défende. T'as connu une planète aussi loin que ça? Bah ouais, mais c'est une glacière, elle me rapporte vachement. Ils s'en prennent aux défenses pour l'instant, donc ils vont pas... Akon, ce sera ma prochaine. Je sais ce que je vais faire pendant qu'ils s'en prennent aux défenses. Croiseur lourd, Raloz. Je pense que tu sais à quoi ça sert, hein, croiseur lourd, Raloz. Ouh là là. Ça construit des bases spatiales. Oui. Faut que je le fasse vite partir avant qu'il... Plateforme opérationnelle. Allez vite. Vite, ils vont tirer sur le croiseur lourd. Faut pas qu'il le poutre avant qu'il ait le temps de commencer la construction. Du coup, je refais mon usine de vaisseau amiraux. Mon titan, il va s'occuper de la base spatiale de l'infini. Au boulot. Le bleu foncé, je sens qu'il va poser problème. Je lui poutrerai sa planète mère dans pas longtemps. Voilà, j'ai commencé la construction. Putain, je gagne plus rien à cause du fait qu'il m'attaque tout le temps. Là. Oh, c'est fou cette musique! Putain, ils vont poutrer ma base spatiale avant qu'elle soit construite. Les petites salopes. Quand est-ce qu'elle arrive, ma flotte? Putain! En plus, on a de la visite ici, c'est fou. Bah, je sais bien. Votre titan est niveau 4. Oh, c'est quoi ça? Croiseur émissaire Neruda. Ah oui, merde.
Je vais l'attaquer, je fais merde, ah ouais, c'est quoi ça? Mon titan est niveau 4. Je confirme. Bah, il va poutrer le reste de la planète Ganesa là. Elle devrait tenir ma base spatiale, mais ça va être limite, hein. Je peux pas l'améliorer, ça coûte trop cher. J'ai pas envie de tout dépenser. Surtout si c'est pour qu'elle se fasse poutrer. De toute façon, là, on est en train de poutrer des vaisseaux amiraux. Putain, le bleu, il s'en est fait combien? Il en a sur toutes les planètes? Allez, poutrez-les, vite. Putain, ils font des compétences toutes bizarres, ils font perdre le bouclier à l'infini. Ah, c'est le vaisseau procréateur. Bon, je vais me faire 4 vaisseaux amiraux contre 3, normalement on a la supériorité. Surtout qu'ils ont aucun vaisseau de combat, c'est que des vaisseaux amiraux, des 2 porteurs et un vaisseau procréateur. Moi j'ai 3 vaisseaux de combat dans le lot quand même. C'est bon, t'as mon escorteur, il a presque plus de bouclier. C'est toi qui as choisi? Oui, je sais. Je sais, il a rien fait, mais on s'en fout. Si je trouve qui c'est, je le tue. Bah ouais, mais en même temps, c'est soit lui, soit l'autre, il m'en remet à chaque fois par-dessus, donc... Ah si, là j'avais pas vu, il y a un cuirassé, putain. Mon empire sera fait doucement. On va aller sur Zanstra, vite. Barrez-vous sur Zanstra avant qu'il vous coûte plus. J'ai 2 vaisseaux qui ont plus de boucliers. Faut que je... pas prendre le risque de... Putain, mais il en a combien des vaisseaux amiraux? Attends, tu peux pas poutrer la planète avec ton titan, s'il te plaît, Ganesa, juste la poutrer. Bah, j'ai laissé mon titan faire ce qu'il veut, mais je sais pas ce qu'il fait. Juste poutrer la planète, ça m'arrangerait. J'ai donné l'ordre de faire un truc, là, je sais pas ce qu'il fait. Parce que moi, je vais venir... Putain, ils ont désactivé les capacités d'un vaisseau qui est gravement endommagé. Comme par hasard, des petites salopes. Poutrez-le. C'est un ordre. Poutrez-le avant de faire le saut. Il cherche la merde, et ben c'est le prix à payer. Ah bah oui. Toutes les batteries sur le porteur. Daggerfall niveau 4. Ils ont eu le temps de se régénérer un petit peu. En plus, les vaisseaux les plus endommagés, ils sont à l'arrière, du coup ils vont prendre moins cher. Je vais les avoir par la tactique, chers amis. Putain, ils sont chiants à faire du mal à mon bouclier comme ça. Putain, 2 cuirassés. Non, là, il y a trop, là. C'est fou, mais il en a combien? De quoi? Vous êtes mais où, regarde le nombre de vaisseaux amiraux qu'il a. Où ça? J'ai en poutre, il en ramène 5 autres. Où ça? Comment elle s'appelle? Aleria. Ah ouais, putain, vache, un vaisseau procréateur. J'en ai poutré 3. Il en ramène 5. Faut que le Skyrim il évacue rapidement là. Allez, retraite désynchronisée. Dès que vous pouvez sauter, vous sautez, vite. Sautez, putain, sautez. Fortuna est attaquée. Ouais, bah je sais que Fortuna elle est attaquée. Ma base spatiale elle a dû se faire poutrer. Ah non, elle est toujours debout. Étonnamment. Elle va plus tenir le coup. Les boucliers du Pandora sont tombés. Ah oui, putain, la vache. Y'a du monde. Tu poutres toujours là. T'as un petit peu de... Oulala, ton DN. Oui, ton... je sais. Ton titan. Je le fais partir. Le Daggerfall, faut qu'il se tire, putain. Barre-toi, fais-moi ce putain de saut. Voilà. Tout le monde est parti. Aucune perte. Même pas une frégate, étonnamment. How can I be of service? Direction Fortuna, maniez-vous. Reporting in. How can I be of service? Vite. Ahead, slow. De toute façon, ils peuvent pas tirer sur la planète, j'y ai mis plein de PV. Ils ont poutré ma base spatiale, les petites salopes. Le bleu, je vais lui prendre Gaia et Capanus. Ça lui fera de l'argent en moins. Ah, c'est gentil de venir donner un petit coup de main. Bah du coup, je reste. Ouais. Je fais demi-tour. Ouais. Demi-tour, il a encore vachement de PV, il peut tenir. Il va passer niveau 5 bientôt. Putain. Il a ce qu'il faut pour tenir le coup.
En fait, si je l'avais laissé, j'aurais même pas remarqué, il aurait tout poutré. Ouh, ça fait mal ça. C'est beau ce qu'on vous offre là, les amis. Désolé, on est encore très peu interactif avec vous, mais c'est la tactique ça. Hein. On peut pas se permettre. Ils fuient, ont vu arriver, ils sont partis. Mais ils vont pas pouvoir tout sauver là. Il y en a qui vont se faire poutrer au passage. Ouh la vache. Ouh, aïe aïe. Ouh, il prend tout lui. Lui, il va pas sauter, je crois. Non. Ah, si. Non, il a pas pu. Il s'est fait poutrer avant. Et lui aussi, je pense qu'il va pas pouvoir. Si, lui, il a pu. Bon, bah, go planète alors. Je l'avais pas poutré. Non. Pourtant, j'y avais donné l'ordre. Eh ben, c'est parti. Il a gagné un peu d'XP, fais voir. Ah ouais, bien. Bientôt niveau 5. Très bientôt. C'est bon, ma flotte est arrivée sur Fortuna. On va s'occuper des vaisseaux amiraux. J'espère qu'ils ont repris un peu de boucliers. Ils ont presque rien repris, c'est fou. On va pas tenir longtemps. Heureusement, il y en a que deux des vaisseaux amiraux. Ouais. Ou un seul d'ailleurs, je crois. Non, il y en a deux, mais ils fuient. Ils partent. Oh, c'est une musique d'advent. Elle est sympa. C'est beau ce qu'on vous offre, les amis. C'est très beau.